En Espagne, la joie des militants du Parti populaire. La formation des conservateurs est arrivée en tête des législatives de ce dimanche. Le PP a progressé, laissant envisager un déblocage de la crise politique qui paralyse le pays depuis des mois. Le taux de participation n'est pas bon, regrette néanmoins cet homme. Ce scrutin aurait dû mobiliser davantage, car on est tous concernés. Ce taux de participation pas très élevé, c'est dommage pour le pays. Je suis très heureuse, commente cette femme originaire du Venezuela. Le Parti populaire est une garantie pour préserver l'unité de l'Espagne. Les Vénézuéliens qui vivent ici après avoir fui le chavisme votent pour les conservateurs, parce qu'ils sont les seuls à empêcher la destruction de l'Espagne. Je me souviens d'un candidat qui avait dit un jour: il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, les Espagnols ont prouvé qu'il n'était pas question de camp ni de peur. Pour moi, ce résultat récompense les partis qui nous ont apporté la démocratie et l'État-providence. Ce que je voudrais, c'est que le Parti populaire et le Parti socialiste fassent alliance pour améliorer la situation du pays. Mariano Rajoy est le seul dirigeant de parti ayant renforcé sa position lors de ce scrutin, commente notre correspondant. À présent, on place aux négociations. L'issue est incertaine car les autres dirigeants n'ont pas forcément l'intention d'apporter leur soutien aux conservateurs. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.